soir, donc, nous abordons la figure d'Abraham qui apparaît immédiatement après la dispersion des peuples, d'après le récit biblique. L'histoire d'Abraham s'étend du chapitre 12 au chapitre 25, comprend de nombreux épisodes. On s'arrêtera simplement sur l'institution de l'alliance faite par Dieu avec Abraham. Et de ce fait, nous quittons le domaine des 11 premiers chapitres, qui était le domaine de l'histoire, pourrait-on dire, universelle, l'histoire des descendants d'Adam et de leur installation en Mésopotamie. Avec Abraham, la Bible prétend, bien sûr, raconter la fondation la plus directe de son propre patrimoine spirituel, celle des descendants ethniques et spirituels d'Abraham. Évidemment que, entre Moïse et Abraham, la Bible prétend établir des relations familiales, et puis d'Abraham au judaïsme d'Esdras, si on considère qu'il est l'ultime rédacteur de la Bible, c'est au-delà des liens, bien sûr, de sang, c'est surtout, évidemment, une union spirituelle avec la grande révélation de Yahvé ou Yahuwah, le Dieu qui s'est révélé à Abraham pour fonder un peuple qui lui soit saint. Alors l'auteur évidemment biblique écrit sur Abraham, si c'est Moïse, avec plus de des centaines d'années de distance, et s'il s'agit de Esdras et autres éponymes, et bien sûr, il s'agit encore de plus grandes distances. C'est-à-dire que la Bible nous présente un Abraham qui doit entrer dans les vues, bien sûr, de la révélation biblique, de l'idéologie biblique, c'est-à-dire du yavisme, c'est-à-dire d'une religion qui se veut iconoclaste et personnaliste de manière exclusive. C'est-à-dire une religion sans image et qui valorise la relation personnelle et directe avec Dieu et qui dévalue toute autre médiation. Mais pourtant, Abraham, évidemment, appartient à son temps et l'écrivain a dû faire, bien sûr, des concessions fois s'il possédait des documents anciens qui racontaient l'histoire d'Abraham, ou bien parce qu'il était dépositaire d'une tradition qui racontait des choses sur Abraham, soit que lui-même fut doué du charisme de vision. Il n'y a pas de doute qu'il place Abraham à la fois dans la continuité de la révélation mosaïque sur et le yavisme, iconoclaste, personnaliste, et en même temps, et bien sûr, il doit faire avec le contexte d'Abraham, qui n'était pas évidemment à l'origine ni iconoclaste, et peut-être pas tout à fait non plus personnaliste au sens exclusiviste. La Bible passe directement donc de la dispersion des peuples après la chute et de la tour de Babel à Abraham, moyennant eh bien, la généalogie de Terah, le père d'Abraham. Sachant que, d'après la chronologie que nous avons établie, Babel, c'est autour de 2800 avant Jésus-Christ, et que Abraham, d'après la chronologie commune, c'est 1800 avant Jésus-Christ. Autrement dit, la Bible fait un saut de 1000 ans. D'un coup. 1000 ans qui sont finalement totalement occultés. La raison de cette occultation, c'est que tout simplement au cours de ces 1000 ans, entre 2008 et 1008, eh bien, a eu un événement fondamental, qui est justement le miracle égyptien.
Et comme la Bible a une relation ambiguë avec l'Égypte, eh bien, elle préfère ne pas en parler. Pourtant, la Bible connaît, au sujet de l'Égypte, des avis positifs. On trouve plusieurs fois dans la Bible la mention que l'Égypte était ou a été un jardin de Dieu, Gan Elohim. Et puis par ailleurs, l'Égypte apparaît chez les grands prophètes, surtout sous la figure du gros crocodile qui barbote dans le Nil, une image du dragon, du mal. Lorsque la Bible évidemment se rappelle que l'Égypte a été le jardin de Dieu, elle se réfère au fait que l'Égypte a été l'héritière de la civilisation sumérienne, qui elle-même était le jardin de Dieu, après que les Adamites soient descendus du fameux jardin de Dieu, le jardin d'Éden, des montagnes de l'Arménie. La Bible donc présente normalement la succession des civilisations au cours des 5 premiers millénaires comme d'abord un moment initial, magique, essentiel que fut le jardin d'Éden, puis une première fondation du jardin de Dieu à Sumer avant le déluge, une seconde fondation de ce même jardin après le déluge, et enfin la fondation de l'Égypte comme jardin de Dieu. Mais ce jardin merveilleux, qui a été dépositaire de la civilisation sumérienne et pour l'auteur biblique de la révélation adamique depuis le jardin d'Éden, eh bien ce beau jardin égyptien, à la fin, s'est enlisé dans l'idolâtrie. Et c'est pourquoi, loin d'être le jardin de Dieu, c'est-à-dire le lieu de la véritable connaissance de Dieu, est devenu un cloaque où habitent monstres et autres démons, et par conséquent c'est un lieu de ténèbres. Et à ce titre-là, la Bible occupe totalement l'Égypte. Avec Abraham, elle considère justement que Dieu fait une nouvelle fondation. Et nous allons voir que justement, elle le fait en termes de jardin de Dieu. Désormais, ça va être Canaan, la terre donnée à Abraham, qui va être constituée comme jardin de Dieu. À travers, bien sûr, diverses théophanies faites à Abraham, d'après le récit biblique, qui, peu à peu, vont lui dévoiler le sens de cette nouvelle fondation spirituelle qui est destinée à perdurer avec le peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. Revenons 30 secondes sur la chronologie. Je vous rappelle que la datation habituelle d'Abraham, c'est donc le 19e ou le 18e siècle avant Jésus-Christ. Alors la Bible, elle, est claire, parce qu'elle fonctionne d'après un référentiel qu'elle a posé en termes tout à fait limpides. La Bible considère que entre la fondation du temple de Salomon et la sortie d'Égypte, il y a 480 ans. C'est une donnée du livre des rois, du premier livre au chapitre 6. Or, la fondation du temple de Salomon, d'après l'histoire, c'est-à-dire d'après la chronologie que l'on peut établir par synchronisation avec l'Assyrie, est normalement la date de 968, même si de ces derniers temps, on a changé à 971. Et donc, ça situe normalement l'Exode en 1450, 54, 52, voilà. Autour de 1450. La Bible précise, en plus, que entre l'Exode et
le séjour d'Abraham en Canaan, il y a 430 ans. C'est une donnée de l'Exode. C'est-à-dire, au moment de l'Exode, il est dit, ça faisait 430 ans que les enfants d'Abraham étaient opprimés en Égypte. Cette datation est importante parce que elle figure telle quelle dans le texte hébreu, c'est-à-dire le texte massorétique, alors que dans le texte grec et dans d'autres données, particulièrement chez Flavius Joseph, nous savons que ces 430 ne couvrent pas, proprement dit, le séjour des Hébreux en Égypte, mais aussi en Canaan. C'est-à-dire qu'il manque le terme Canaan dans le texte massorétique. Or, si on considère effectivement que 430 ans couvrent les deux périodes, la période d'oppression en Égypte et la période, pas d'oppression, mais quand même d'errance, parce qu'Abraham a beau être en terre de Canaan, il n'est quand même pas chez lui, puisque je vous rappelle, en terre de Canaan, il y a encore tous les peuples étrangers, et lui-même d'ailleurs doit bivouaquer sans pouvoir, proprement dit, prendre possession de la terre. Si on tient que, pour faire simple, donc, le peuple a passé 215 ans en Égypte et 215 ans en Canaan, eh bien nous tombons sur nos pieds. C'est-à-dire que les datations sont acceptables, notamment, on le sait parce que la Bible donne plusieurs généalogies. Depuis Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte. Et beaucoup sont incomplètes, mais parmi celles qui sont les plus longues, notamment celles de Josué, on ne trouve pas plus de 11 générations. Si vous considérez que une génération c'est 22 ans, 23 ans, vous trouvez 220 ans de séjour en terre d'Égypte, depuis la descente, bien sûr, de Joseph et ensuite de toute la famille de Jacob, précisément en Égypte. D'après la Bible, ça donc nous fait faire arriver Abraham en 1877, disons 1870, en terre de Canaan. Donc en plein milieu du 19e siècle. Sachant que d'après la Bible, Abraham aurait eu déjà 75 ans au moment où il sort donc de Haran pour venir en terre de Canaan. Donc Abraham se situe, si on accepte ces dates-là, donc en plein 19e siècle, à l'époque où précisément le monde entier entre dans l'ère de l'âge du bronze et dit moyen, autour de 2000, le Proche-Orient connaît un changement drastique de son climat, qui est autour de 2100-2200. L'ensemble de la Terre connaît une vague de sécheresse et d'aridité qui provoque le flux de tous les peuples du nord vers le sud. Et donc la migration d'Abraham, de ce point de vue-là, appartient à son temps. Lui-même va souffrir la famine en terre de Canaan, c'est pourquoi il va descendre en Égypte. En fait, tout le monde fait comme ça. Du fait que les pâquages deviennent secs, du fait qu'il y a moins d'eau, à chaque fois, on descend et on va se réfugier en Égypte, où là, l'eau n'est pas liée, absolument parlant, aux variations climatologiques. Donc, les dates d'Abraham, telles qu'elles se présentent dans la Bible, sont celles-ci. Bien sûr, le problème, c'est que Abraham, Isaac et Jacob, selon la Bible, vivent longtemps. Abraham est supposé vivre 175 ans. Isaac est supposé vivre 185 ans et Jacob est supposé vivre 147 ans. Alors, à moins bien sûr de croire
de foi surnaturelle que des hommes aient pu vivre autant, il y a deux façons de lire ces chiffres-là, ou bien de considérer que derrière chaque personnage, en fait, s'en cache 3-4, voilà, et que ça veut dire que Jacob et Isaac et Jacob ne sont pas fils directs l'un de l'autre et ne sont pas fils directs d'Abraham. Abraham, c'est une série de personnes. Jacob, c'est une série de personnes. Et ainsi pour Isaac. Ou bien aussi considérer qu'il s'agit d'âge divinisé, c'est-à-dire à qui on a ajouté 100. C'est-à-dire que, par exemple, Abraham aurait en fait vécu que 75 ans, mais on dit qu'il a 175 ans pour dire eh bien, que c'est un surhomme. C'est un homme qui a été élevé au statut divin. C'est un procédé que l'on trouve dans tout l'Orient, sauf que souvent, ils n'ont pas peur de démultiplier par 1000, par 5000, par 10 000. À l'époque d'Abraham, on multiplie seulement par 100, ou on ajoute seulement 100. Alors cette solution est acceptable pour Abraham et Isaac, en revanche, elle l'est moins pour Jacob, parce que ça pourrait dire que Jacob n'aurait vu que 47 ans, ce qui correspond assez mal à l'ensemble de la saga de la famille de Jacob. Ça, ces problèmes des âges trop longs font que dans les ouvrages ordinaires de chronologie biblique, eh bien, Abraham n'est plus au 19e, mais au 18e. C'est-à-dire qu'on enlève un peu quelques dizaines à chacun et on abaisse tout le monde. Et Abraham évolue autour donc de 1700 quelque chose, plutôt que d'évoluer autour de 1800 quelque chose selon les dates exactes bibliques. Tout ça pour dire que donc Abraham, néanmoins, quoi qu'il en soit, appartient donc à l'ère du bronze moyen 1, donc après le bronze ancien, après le basculement vers une période sèche qui a eu lieu vers 2000, 2100, 2200. Il appartient à ce vaste mouvement de flux migratoires du nord vers le sud. À l'époque donc où les empires antérieurs se sont écroulés du fait de la sécheresse, du fait de la difficulté. Donc l'ancien empire égyptien n'existe plus, les grands empires sumériens n'existent plus, tout s'écroule. En fait, Abraham arrive après que beaucoup, une période de vaste décadence et, pourrait-on dire, il apparaît plutôt au moment où les choses vont recommencer à renaître. Et alors, outre ce contexte-là, Abraham, d'après la Bible, donc, vient de Ur de Chaldée. N'est-ce pas? Le texte nous dit que, au début, par exemple, au terme de la descendance de Terah, il dit que Terah prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa bru Sarai, femme d'Abraham, il les fit sortir d'Ur de Chaldée pour aller au pays de Canaan. Mais arrivé à Haran, ils s'y établirent. La durée de vie de Terah fut de 205 ans, puis il mourut à Haran. Okay. Alors, la Bible situe donc la famille d'Abraham à Ur de Chaldée d'abord, puis à Haran. Alors, ces lieux-là sont de la plus haute importance pour comprendre Abraham, ou en tout cas pour situer quel va être le cadre religieux dans lequel il va recevoir la nouvelle alliance de Dieu. En effet, si on considère qu'il s'agit de Ur, la ville sumérienne qui était dans le bassin donc mésopotamien, alors Abraham se situe au moment où eh bien, la ville connaissait la fin de sa plus grande apogée. Donc soit on le situe dans certaines chronologies sous Ur 3, et alors c'était le summum d'apogée de Ur, ou bien c'est Ur 4, et alors déjà les choses allaient beaucoup moins bien, mais néanmoins, Ur
continuer de briller de tous ses feux. Et pourquoi? Eh bien parce que les rois sumériens d'alors, dans les deux dynasties, donc 3 et 4, avaient fait de Ur eh bien, une nouvelle Jérusalem. Ils avaient fait de ce lieu une cité sainte, florissante, et florissante bien sûr par le commerce, mais aussi par le rayonnement religieux. C'est là que, notamment, Ur-Nammu, rappelez-vous, avait construit une... Enfin, pas rappelez-vous, parce que Ur-Nammu est aussi celui qui a écrit... Qui a, le rappelez-vous, c'était en lien à Eridu. Eridu avait été abandonné pendant 500 ans, et donc Ur-Nammu avait aussi construit une ziggurat à Eridu. Mais la plus fameuse des ziggurats de Ur-Nammu, c'est à Ur. Et le fameux ziggurat qui en faisait de la ville eh bien, le plus grand sanctuaire donc, du dieu qui était alors adoré et porté au plus haut niveau du panthéon et qui était le dieu lunaire. Le dieu lunaire, à ce moment-là, on adore Dieu à travers la figure de la lune. Du point de vue... bien sûr, symbolique, c'est important. La lune représente donc un aspect de Dieu qui est son aspect transitoire, changeant, pourrait-on dire mortel ou passible, puisque la lune diminue et augmente. La lune disparaît et la lune réapparaît. Donc, on adorait Dieu sous le nom de, alors en français on dit Sin, mais en acadien c'est Tsu-En ou En-Tsu. Et ce dieu-là est lunaire parce qu'il représente le dieu d'une certaine façon qui meurt et qui ressuscite, le dieu qui éprouve le mystère de la mort, le mystère de la ténèbre, mais qui lui-même est lumière, et lumière toujours triomphante. D'ailleurs, le titre En-Tsu, ou Tsu-En, qui est d'En-Tsin, signifie tout simplement le Seigneur de la Sagesse. Le Seigneur de Sagesse. Il est une figure ici de la science divine, et c'est normal parce que c'est cité... mésopotamiennes sont des grands centres de mathématiques, d'astronomie et d'astrologie, puisqu'on ne fait pas la différence à l'époque, c'est-à-dire non seulement l'observation objective des phénomènes célestes, mais en plus leur interprétation providentialiste et ensuite symbolique. Alors ça, c'est En-Tsu, c'est, qui a donné Sin, et qui est sous ce nom-là qu'il va rayonner dans le monde entier. Sachez que Ur faisait payer tribut aux cités de la Phénicie. Donc c'était un véritable empire. Et d'ailleurs, dans l'histoire d'Abraham, il va y avoir une scène où quatre rois de Mésopotamie vont venir faire la guerre avec cinq villes qui sont dans la vallée de la mer morte, la vallée de Chittim. Donc il prouve qu'il ne faut pas du tout s'imaginer que le monde mésopotamien est déconnecté du monde levantin. Au contraire, il exige tribut et il fait même la police dans la région de manière militaire. Le grand sanctuaire d'Ur, donc, où est adoré En-Tsu, le seigneur de la sagesse sous la forme luminaire, était appelé Nana en sumérien, et en sumérien, ça veut dire tout simplement l'illuminateur, ou bien le luminaire, celui qui donne la lumière. Alors, bien sûr, dans la version triadique habituelle des peuples anciens, Sin est donc le grand dieu, et puis il a une parèdre, c'est-à-dire il a une épouse, et puis de cette épouse il engendre des sous-dieux. Donc la parèdre de Sin à ce moment-là, c'est celle qu'ils appellent Ningal,
et qui veut dire la dame, autrement dit madame, Notre-Dame, tout simplement. Et puis, bon, dans le cas de Ur, ses enfants, ce sont le soleil, Shamesh, et puis aussi la déesse de la fertilité, Ishtar. Mais ça, ce n'est pas très important. En tout cas, voilà le contexte d'Ur. Alors, Ur avait, figurez-vous, des relations très spéciales avec Horan. Donc, on comprend très très bien que Abraham et sa famille soient partis de Ur à Horan pour des raisons que nous ne connaissons pas. Notez que, selon la Bible, Abraham est appelé de Ur pour aller à Horan, mais d'après la même Bible, Terah, son père, était déjà parti de Ur pour aller à Horan. Et Horan était aussi connu pour son culte au dieu Sin, au dieu lunaire, pour aussi ses grandes tours, il y en a encore, paraît-il, une, qui remonte à des âges très anciens, destinée à l'observation astronomique. Les Arabes ont un long souvenir encore, jusqu'au Moyen-Âge, de l'astrologie et de l'astronomie qui se pratiquaient. Donc, cette fois-ci, on est sur l'Euphrate, entre l'Euphrate et l'Oronte. On est donc dans la partie de la Syrie du Nord. On n'est plus du tout en Mésopotamie. Certains considèrent que peut-être Abraham n'était pas de Ur de Mésopotamie, mais d'une Ur qui se trouve à côté de Horan. Notez qu'en tout cas, Ur, absolument parlant, ça veut dire la fondation, la ville. Et en hébreu, normalement, c'est Ar, mais ou Ur. Mais sauf que à l'oreille sémite, Ur, comme c'est pas prononcé avec une gutturale, eh bien, ça veut dire la lumière, qui se dit Or, mais on prononce O pour pas dire ou, mais c'est à peu près la même chose. Et lorsque Dieu dit, plus tard, lorsqu'il parle à Abraham, il dit, je t'ai fait sortir de Ur de Chaldée, dans l'interprétation rabbinique subséquente, on fait dire à Dieu, je t'ai fait sortir de la lumière, au sens où je t'ai fait sortir de la fausse lumière, du feu des Chaldéens, pour te conduire vers la vraie lumière. La Chaldée, le terme Chaldée pose problème, parce que c'est la traduction française et grecque, mais normalement le terme hébreu c'est Kasdim, qui pose problème, parce que normalement le peuple qui s'appelle ainsi, Kasset, c'est pas du tout le peuple du sud de la Mésopotamie, mais c'est un peuple du nord, les Kassites. Et de fait, les Chaldéens viennent du nord, ils sont descendus et plus tard ont fondé l'empire de la Chaldée. Mais eux-mêmes viennent du nord. Donc encore une fois, il n'est pas sûr que Abraham ait été de Ur du sud, il est possible qu'il ait été du Ur du nord. Qu'importe. Une dernière chose sur le fait que Abraham et sa famille appartiennent donc à une religion de type lunaire, c'est que tous les noms de la famille sont théophores du point de vue lunaire. Effectivement, son père, Terah, selon beaucoup d'exégètes, devrait être lu comme Yerah. Et Yerah, c'est le mot qui signifie la lune dans les langues sémites. Son neveu, qui s'appelle Laban, et qui donnera sa fille à Jacob, pardon, eh bien, Laban, ça veut dire blanc. Et blanc, ça se réfère à la luminosité de la lune. De même, son grand-père et son frère s'appellent Horan. Alors, là aussi, la racine Hor a différents sens, mais un des sens fondamentaux de Hor, c'est l'aube, c'est la lumière de l'aube. Or, la lumière de l'aube, elle est blanche. Précisément, et ça se réfère aussi à la luminosité de la lune. Enfin, la femme de Abraham s'appelle Sarah, qui signifie, dans les langues sémites, la princesse ou
la maîtresse ou la dame, notre dame. Autrement dit, elle a le nom exactement de la consorte du dieu solaire, c'est lunaire, Sin, qui était la dame, Ningal. D'autant que, on verra, il y a d'autres attestations de Shara dans les langues sémites. Tout ça pour dire que Abraham, sans aucun doute, procède de ce milieu. Si j'ai insisté tant sur le fait que Abraham ne venait peut-être pas du sud, mais du nord, c'est parce que, effectivement, dans la Bible, on ne voit à aucun moment qu'Abraham se réfère à la lune, proprement dit. À part dans des textes plus tardifs, du judaïsme tardif, du judaïsme de l'époque de Jésus, et puis ensuite du judaïsme orthodoxe, c'est-à-dire rabbinique, à travers les Midrash, où les Juifs font d'Abraham un grand astronome, et un astrologue, et un savant mathématicien, et qu'il attribue à sa famille la naissance du, ciel, du soleil et de la lune, c'est-à-dire des propos de type cosmogonique à l'ancienne. À part ça, dans la Bible elle-même, il n'y a rien de tout ça. Le Dieu qui apparaît à Abraham ne s'appelle pas Sin et n'a rien à voir avec la lune. Il s'appelle comment? Il s'appelle El, ou Yahweh. El est nommé plusieurs fois dans les différentes théophanies. Abraham est l'objet de 4 à 5 théophanies. Soit il est appelé El tout court, qui veut dire Dieu, mais qui veut dire aussi un Dieu bien particulier. Il est appelé El aussi Alion, le Dieu très haut. Il est appelé El Olam, le Dieu éternel. Et il est bien sûr appelé dans une théophanie fondamentale El Shaddai, un titre que, d'après la Bible, Dieu reprendra lui-même lorsqu'il s'adressera à Moïse en disant « Pas à tes pères, je me suis révélé comme El Shaddai, mais à toi, je me révèle comme Yehovah. » Alors, l'auteur, lui, biblique, déjà introduit, depuis de toute façon la première page de la Bible ou la deuxième, la personnalité de Yahvé, Yahweh. Mais le Dieu qui proprement parle avec Abraham, c'est le Dieu El. Or, le Dieu El, il est très connu. Il est très connu dans l'archéologie et dans l'épigraphie de l'époque. Effectivement, c'est le Dieu des gens qui habitent justement le nord de la Syrie. Ce que l'on appelle les Amorites. Et leur dieu, en termes général, est appelé, alors dans leur langage, Ilu Amuru, le dieu des Amorites, ou le dieu Amur. Or c'est très important parce que ce dieu, il va avoir tous les attributs du dieu qui apparaît à Abraham, à bien des égards. En effet, lui-même a une consorte, et comment s'appelle sa consorte? Eh bien, Asharatum. C'est-à-dire Sarah, tout simplement. Voilà. Et puis, les textes, j'ai donc tiré un certain nombre de, grâce à notre ami Wikipédia, un certain nombre de titres qui concernent, d'abord dans les textes amorites, Ilou. Il est appelé El Shadi, Ao Shadé, c'est-à-dire exactement la même chose que El Shaddai. Dans la Bible, Shaddai est traduit par step. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'en hébreu, shadé veut dire les champs, la steppe. Mais ça, c'est de l'hébreu. On sait par contre parfaitement que dans les langues anciennes, sumériennes et l'ancien araméen amorite, eh bien, ça veut dire la montagne. Je suis le dieu de la montagne. Nous savons aussi que par d'autres textes, qu'il est dit « celui qui habite les montagnes ». Autrement dit, ça se réfère à la région du Zagros, bien sûr, du Zagros et du Tauros, et au-delà de ces deux grandes chaînes. Autrement dit, de nouveau, ça pointe vers l'Arménie, vers le dieu de la haute montagne du Caucase.
Ou encore, on a des titres comme « Celui qui habite la montagne brillante ». Mais ce titre-là, c'était exactement les titres de Ya, autrefois, qui lui-même venait avec Ninhursag, de la dame qui avait fait descendre Enmerkar de la montagne brillante. Et on trouve ensuite des expressions typiquement bibliques du genre « Ili Abia, Dieu ». C'est-à-dire, elle habille, Dieu est mon père, ou encore bien sûr le Dieu Abika, Dieu est ton père, ou encore il habille, Dieu est notre père. Voilà la notion du père. Alors c'est très important, ce Dieu-là est un Dieu des montagnes, et Abraham, de ce point de vue-là, récupère bien sûr une foi d'un dieu de type sans doute lunaire, mais surtout un dieu de l'orage. C'est-à-dire, c'est un dieu de la pluie qui est de type continental. Et oui, parce que lui habite une région continentale, tout simplement. Pourquoi je suis passé de la pluie à la lune, ou de la lune à la pluie? Parce que, figurez-vous, tous les phénomènes météorologiques sont liés à la lune. Nous ne le savons plus, mais eux le savaient parfaitement. L'orage, les éclairs, la pluie, les bourrasques, toutes ces descriptions que nous avons encore dans les psaumes, où Yahvé fait décharger ces flots d'eau, tout ça, ce sont des images anciennes d'un dieu lunaire par des manifestations météorologiques. Et qui était celle de Ilu Amuru. Je voudrais juste m'arrêter sur un autre aspect, c'est que Amuru, ça veut dire le dieu des Amorites. Mais le mot Amur, Amar vient de la racine Amar. Et la racine Amar, c'est la racine qui veut dire parler. Autrement dit, il ou elle, Amuru, renvoie au dieu qui est verbe, qui est de nouveau Dieu sagesse. De même, le dieu lunaire, qui était appelé le seigneur de la sagesse, était lui aussi un dieu végétal. Parce que puisqu'il est lunaire, eh ben c'est lui qui régule les phénomènes végétaux, forcément. Autrement dit, entre le dieu Sin, lunaire, et aussi maître des astres, mais aussi maître de la végétation, et le dieu il ou elle, qui est aussi un dieu forcément lunaire parce qu'il est un dieu de l'orage, et il est aussi un dieu de la parole puisqu'il sera et se réfère, on ne sait pas pourquoi, au concept de parole, et bien tout ça, vous voyez, fait que on passe de l'un à l'autre. Sachez que il était bien sûr adoré aussi par les Phéniciens, et à Ougarit on trouve plein de choses très très belles sur elle. Il est dit par exemple Abu Bani Eli, il est le père des fils de elle. Ou il est encore Abu Adam, Adami, il est le père de Adam. Et c'est un texte ougaritique, c'est pas un texte hébreu, c'est pas la Bible. Ou il est encore appelé Kaniyunu Rolam, il est le créateur éternel. Or, on retrouvera les mêmes expressions dans la Bible. Elle sera dit « Kone Hashamayim Ve'aretz » créateur du ciel et de la terre. Il est aussi appelé « Atikuta » ton patriarche, et il est bien sûr appelé le père, le roi, etc. Tout ça pour dire que tous ces peuples, sous les différentes appellations, à ce moment-là, finalement vénèrent Dieu sous une même forme. Une forme lunaire, soit proprement de manière astrale, comme les Sumériens, soit sous la forme plutôt orageuse, mais qui est en fait son contrepoint. Et l'un comme l'autre, c'est dans une perspective de la compréhension du cycle de la végétation, vie et mort, mort et renaissance. Ça, c'est le contexte général d'adoration des peuples à cette époque. Et à Ougarit, figurez-vous, on a trouvé un texte décisif qui est quand même important,
C'est un texte donc d'Ougarit, hein, c'est pas la Bible. Hein. Le texte d'Ougarit dit que le dieu El, bienveillant et compatissant, eh bien, a dit, le nom de mon fils est Yo, qui est fils de Elet au féminin. Yo. Donc le Dieu qui parle dans la Bible à Abraham, c'est normalement le Dieu Yo, le Dieu Yahou, le Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. C'est le Dieu qui est fils de El. El étant la figure du père, on a vu combien de fois revenait le terme de la paternité quand on parlait de El. Et puis, ici, le thème de la filiation sous la forme de Yahou. Et dans les psaumes, Yahou tonne, gronde, fait pleuvoir, etc., etc., etc. C'est un dieu de l'orage typique de la dévotion de l'époque. Or, sachez que Abraham porte un nom intéressant, puisque son nom, normalement, c'est au début Abram. Abram. Qui veut dire le père, si vous voulez, très haut, ou le père qui a élevé, c'est-à-dire qui a élevé vers les hauteurs. Autrement dit, Abraham est un dévot, ou en tout cas il porte, peut-être à cause de son père, eh bien un nom théophore, qui renvoie précisément au dieu El, sous la forme de sa paternité et sous la forme de sa transcendance, de sa grandeur. Et de ce point de vue-là, s'il est transcendant, alors il est au-dessus des petits dieux, au-dessus des petits fils de dieux. Il est proprement le dieu maître de l'histoire qui est au-delà des peuples, mais qui s'exprime à travers différents noms en chacun de ces peuples. Et c'est dans ce contexte-là que, effectivement, Dieu va parler à Abraham. Et il ne va pas lui parler un langage yaviste, abstrait. Il va lui parler un langage très concret, qu'il connaît parfaitement, et c'est à travers ce langage-là qu'il, eh bien, va instituer une nouvelle alliance avec lui. Un nouveau commencement de la relation de l'homme avec Dieu. D'après la Bible, donc, Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom qui servira de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Par toi seront bénies toutes les nations de la terre. Donc, d'abord, la première chose que fait Dieu avec Abraham, c'est bien sûr de lui dire qu'il doit quitter son milieu d'origine. Il lui dit, en lui faisant une grande promesse, objet d'une grande espérance, celle de devenir une grande nation et d'obtenir un grand nom, ici au sens bien sûr d'une grande renommée. Et mieux que ça, d'être pour lui, eh bien, la bénédiction du monde entier. Non seulement la bénédiction de tous les... Le texte dit, et seront bénies par toi toutes les familles de la Adama. C'est la terre en tant qu'elle est civilisation. C'est pas la terre simplement la terre dure. C'est la terre en tant qu'elle est façonnée par l'Adam, l'Adam. L'Adama, c'est la terre cultivée. Autrement dit, Abraham devient principe de la culture universelle. Donc on est déjà dans une perspective de culture, déjà dans une perspective de développement, et
Et c'est ainsi que Abraham partit, comme lui avait dit Yahweh, et Lot partit avec lui. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Abraham prit sa femme, Sarai, son neveu Lot, tout l'avoir qu'il avait amassé, le personnel qu'il avait acquis à Haran, et ils se mirent en route pour le pays de Canaan, et ils y arrivent. Notez que, d'après le texte biblique, on ne sait pas qu'il faut qu'il aille à Canaan. D'abord, la promesse est donnée comme une promesse absolument ouverte. En tout cas, il est normal qu'ils descendent. Ils descendent sans doute sous la pression de la famine, de la sécheresse. Tous ces peuples descendent. Et c'est ainsi qu'Abraham arrive à Canaan. Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem, au chêne de Moré. Les Canaanins étaient alors dans le pays. Il avait apparu à Abraham et dit, « C'est à ta postérité que je donnerai ce pays. » Et là, Abraham bâtit un autel à Yahvé qui lui était apparu. Alors ici commencent précisément les premiers actes cultuels d'Abraham. Le texte dit, « Abraham traversa le pays jusqu'au lieu saint de Sichem. » Ici, c'est difficile de savoir si Sichem, donc est une ville bien connue de Canaan, était déjà un lieu saint, ou si c'est Abraham qui élève Sichem en lieu saint. On va savoir par rapport au rédacteur ce qu'il veut dire. Ce que nous traduisons par lieu saint, en hébreu, c'est makom. Ce qui veut dire littéralement une station, c'est-à-dire, fondamentalement, un lieu de station droite, là où on se tient debout, qaïm, de la racine kum, le fait de se mettre debout, et plus tard, bien sûr, de ressusciter. Autrement dit, un lieu saint, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu où l'homme est debout devant Dieu. N'oublions pas que la station droite est propre à l'homme. L'ensemble du règne animal est couché ou incliné et dans le sens de la terre, alors que l'homme est dans le sens de la verticalité. Plus l'homme est debout, plus il participe à Dieu. Donc, le divin est comme tel, d'abord appréhendé en vertu de la verticalité comme ce qui est en haut. Et donc, Abraham est appelé à se tenir droit devant Dieu dans un lieu de culte qui lui permette d'être justement en station droite. Or, il le fait où? Il le fait à Sichem, mais pas n'importe comment. Il le fait, eh bien, auprès d'un arbre. Un chêne dit de Moré. Là encore, on ne sait pas si le chêne s'appelait Moré avant Abraham ou après Abraham. Nous n'avons aucune idée. Si on suppose que tout ça, c'était avant Abraham, ça veut dire que Abraham adopte l'existant. Néanmoins, le texte précise que Abraham va y bâtir un autel, et donc, en un sens, c'est lui qui crée, eh bien, le lieu de station droite devant Dieu qui lui était apparu. Alors ici on touche à tout un ensemble de réseaux, de symboles absolument importants et surtout constitutifs du discours biblique. Abraham, par rapport à Adam et par rapport à Noé, constitue la troisième initiative d'alliance de Dieu. Concernant que Adam, c'est l'alliance originelle, Noé, c'est une deuxième alliance liée à la chute et à l'effondrement du genre humain, et qu'avec Abraham, eh bien, il s'agit d'une troisième alliance après le désastre à la fois de la tour de Babel et de l'Égypte.
dont on ne veut même plus parler. Et si c'est la troisième alliance, alors elle entre en relation analogique avec les jours génésiaques tels que l'écrivain sacré les a posés à la première page de la Genèse. Autrement dit, Abraham va réaliser le renouvellement de la troisième structure de la création, afin précisément de restaurer l'homme. De même que Noé avait réalisé le renouvellement de la deuxième structure de la création. Alors, je vous rappelle que la première structure de la création, qui correspond à celle d'Adam et à la création comme telle, est une structure de la diffusion de la lumière. La lumière qui surgit de Dieu va pénétrer le cosmos et l'informer pour en faire, eh bien, une maison de Dieu. Et donc le thème de la lumière, ou est bien sûr le thème central du premier jour de Genèse. Le deuxième jour, comme vous le savez bien, c'est normalement le jour où la matière a été séparée entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et nous savons que, précisément, au moment de la... elle est séparée par quoi ? Elle est séparée par un firmament. Un firmament qui joue un rôle régulateur entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et nous savons très bien que avec Noé, il va y avoir une reprise de cet acte-là fondamental de la création, puisque le déluge se présente comme un bouleversement des eaux, un mélange des eaux, et puis avec de nouveau une nouvelle distribution des eaux au terme du déluge. Nouvelle distribution des eaux qui formera proprement l'ère nouvelle après le déluge. Dans le troisième jour génésiaque, apparaît au niveau des mers, des ondes inférieures, eh bien, le dur, le sec, le continent. Et oui, le continent. Je rappelle que dans le firmament, il y a bien sûr un principe de régulation, mais le firmament sera plus tard, après, le lieu des astres, hein, n'est-ce pas ? Donc tout ça, c'est plein d'eau, d'étoiles. Donc au niveau du troisième jour génésiaque, le dur, le solide, est posé, et il est posé lui-même précisément pour être un mako, c'est-à-dire la possibilité d'une station droite. Une station droite qui tend vers, bien sûr, les cieux. Et au niveau proprement cosmique, il n'y a pas encore d'homme pour se tenir droit, il n'y a rien. Mais ce qui est posé, ce sont les principes d'une première verticalité. Et les principes de cette verticalité, ce sont les semences du végétal. Car c'est d'abord l'arbre, le végétal, qui est le symbole de la verticalité divine. J'ai précisé qu'il s'agit seulement de semences, parce que d'après la Bible,
il faudra plus tard qu'il pleuve et tout pour que les arbres fleurissent. Et le texte génésiaque n'impose pas de lire que déjà il y ait des végétaux, mais seulement que les semences sont posées pour qu'un jour apparaissent les végétaux. Ce qui, ici, nous rappelle le rapport de continuité existant entre le minéral et le végétal. Donc, la structure proprement dite du troisième jour, c'est l'institution d'un lieu de station droite où des germes de verticalité sous forme végétale sont posés. Eh bien, c'est exactement ce que fait notre ami Abraham. Car Abraham adore Dieu en délimitant exactement ces éléments-là. Abraham, en fait, adore Dieu sous la forme d'un arbre, ou plus précisément en relation à un arbre. Et si il le définit comme lieu sacré, ça veut dire qu'il l'isole des autres, hein, bien sûr, parce que des arbres, il y en a plein. Hein. Et il le fait comment? Il le fait en définissant une clôture. Et ainsi, un arbre devient un arbre sacré, c'est-à-dire il devient un symbole du divin. Et puis, devant cet arbre, il va ici y construire un autel, dans la pure tradition d'ailleurs noachique, où il fera brûler des offrandes. Très bien. Et donc, Abraham reçoit son propre appel prophétique dans le cadre d'un espace fermé, comme le continent, un espace qui est appelé du même nom qu'un continent, c'est-à-dire un makom, un lieu de station droite, qui est le lieu où la verticalité, comme image de Dieu, est manifestée par un arbre, par le végétal. Et ainsi, il peut réaliser un acte cultuel dans cet endroit qui est symbole de Dieu. Alors, ici, deux choses. Premièrement, il ne s'agit pas de n'importe quel arbre, il s'agit d'un chêne. Quel est l'intérêt d'un chêne? Eh bien, figurez-vous, c'est qu'il a des glands. Il a des glands. Eh oui, c'est-à-dire qu'en lui est particulièrement symbolique la notion de semence. Dans le cas du chêne, évidemment, le gland est un symbole évident de la semence, beaucoup plus que dans un autre. Et lorsque Dieu s'adresse à Abraham, nous en français on a dit que donc c'est à ta postérité que je donnerai ce pays. Mais en hébreu, évidemment, ce n'est pas le mot « postérité », c'est le mot « semence »,« zarach ». À ta semence, je donnerai cette terre. Et par conséquent, la structure d'institution de l'Alliance passe par le symbole de l'Alliance qui est ici représenté concrètement par le gland. Ainsi, la clôture qui définit l'espace sacré, lui, est bien sûr lié à la question de la terre. Sachant que ici, terre peut aussi être rendue par pays. Pays. Mais qu'est-ce que la terre? C'est le lieu où l'on plante des semences qui vont justement s'élever sous forme végétale vers la hauteur divine.
Et donc Abraham joue l'ensemble de ces thématiques symboliques dans sa propre personne à travers un culte qu'il pratique avec de toute façon tous les peuples d'alentour, qui est un culte de l'arbre sacré. Alors cet arbre est sacré pour de vrai, et pas seulement parce que je le dis, puisque cet arbre est appelé d'un nom. Il est le chêne de Moré. Pardonnez-moi. C'est le chêne de Moré. Et c'est le chêne de Moré. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire le maître, le chêne du maître, de l'instructeur. Ici, le maître au sens du docteur. Docteur au sens, pardonnez-moi, au sens de l'enseignant. Eh oui. Moré vient de la racine Yara, avec un comme ça, qui veut dire instruire. Et d'où vient le mot ensuite? Torah. La Torah, c'est l'instruction. Et donc, l'arbre qu'il admire, c'est quoi? C'est la sagesse. C'est la sagesse divine. C'est la sagesse divine. C'est la sagesse divine. La sagesse tout court avec un grand S. La sagesse qui est manifestée dans l'arbre de vie, ou du moins sous la forme vitale de l'arbre. Et notez que Yara veut dire instruire, mais sachez qu'en hébreu, Yara, cette fois-ci comme ça, ça veut dire voir. Et donc, évidemment, tout ça nous renvoie à la thématique de la lumière. Lumière de l'intelligence, lumière des yeux, lumière du Dieu qui apparaît. Autrement dit, l'arbre est un arbre de lumière. C'est un arbre de sagesse du Dieu qui est science et qui se manifeste comme principe de vie et comme principe d'adoration cultuelle. Et Abraham ne fait pas ça qu'à Sichem. Le texte nous dit qu'il ne reste pas longtemps, semble-t-il, à Sichem. Il passa de là, dans la montagne, à l'Orient, à Bethel. Alors, de nouveau, Bethel. Bethel, normalement, a été créé par Jacob. Donc, à l'époque d'Abraham, il n'y avait pas Bethel. Néanmoins, le lieu est déjà celui d'Abraham. Et il dressa sa tente, ayant Bethel à l'ouest et Rai à l'ouest. À l'est. Là, il bâtit un autel à Yahvé et il invoqua son nom. Et vous me direz, mais pourquoi vous dites que c'est la même chose? Eh bien, parce que Bethel, sans doute, a été institué par Jacob. Alors, Bethel, je vous rappelle que ça veut dire la maison de Dieu. Mais que c'est encore la maison de El, El, El qui est le dieu des Amorites, Ilou Amourou, autrement dit le dieu parole, le dieu sagesse, à nouveau. Et surtout, nous savons, au moment où Jacob fonde Bethel, que Bethel ne s'appelait pas Bethel, mais s'appelait comment? Bethel s'appelait Luz. Ça vous dit rien, Luz? Laos, c'est l'amande. Autrement dit, cette fois-ci, encore une fois, un arbre qui contient de grosses semences, bien visibles. Entre un gland de chêne et une amande, il y a pas. C'est le même
la même grosseur. Et l'amande, sachez-le, et l'amandier, sachez-le, ce sera quoi dans la suite de la tradition judaïque? Eh bien, ce sera le modèle d'après lequel, eh bien, les Juifs feront la fameuse menorah du temple, c'est-à-dire l'arbre de lumière. Les Juifs conserveront jusqu'à la fin le symbolisme tant lumineux que végétal de l'arbre de lumière. Ils le conserveront sous une forme purifiée qui est celle du chandelier à 6 branches, à 7 avec le tronc et surtout avec 24 fleurs d'amandier. Et oui. Puis de campement en campement, Abraham alla au Negev, et d'ailleurs il n'y reste pas, il descend encore, il descend jusqu'en Égypte, comme nous le savons, où il connaît certaines tribulations, si bien qu'il est décidé à remonter de l'Égypte en Canaan. Il revient avec son neveu Lot, dont il doit se séparer parce que il faut se départager les terres et les pâturages. Abraham était riche en troupeaux, en argent et en or. Ses campements le conduisirent du Negev jusqu'à Bethel, donc il revient à Bethel, à l'endroit où Satan s'était dressé d'abord, entre Bethel et Aï, à l'endroit de l'autel qu'il avait érigé précédemment. Et là, Abraham, de nouveau, invoque le nom de Yahvé, Yahweh. Donc, Abraham invoque tout cela, normalement, sous le titre de Yehovah, qui, eh ben, pour nous, serait normalement le Yob, fils de El. On est d'accord? Connu de la, très bien de la région et qui serait la forme levantine, phénicienne, amorite et cananéenne, elle-même de Yah, l'ancien dieu des Adamites. Abraham doit donc se séparer d'avec Lot, et une fois qu'il s'est séparé de celui-ci, eh bien, il s'établit, cette fois-ci, il quitte Bethel parce qu'il a de nouveau une injonction, une théophanie de Dieu. Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et regarde de l'endroit où tu es vers le nord. Et le midi vers l'Orient et l'Occident. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Évidemment, postérité, ce n'est pas postérité, c'est semence. Je le donne à ta semence. Donc, Yahweh explique de nouveau à Abraham que désormais, c'est le pays qui va être une clôture. C'est l'ensemble de la terre de Canaan qui sera la clôture dans laquelle, le jardin dans lequel, eh bien, sa semence va être plantée. C'est très important parce que ça veut dire que Dieu explique que cette fois-ci, ce n'est pas un petit sanctuaire, un petit makom dont il s'agit. Mais c'est que toute la terre va être un makom. Elle va être un lieu de station droite devant Dieu. Et que c'est l'ensemble, cette fois-ci, du pays qui est sanctifié. Autrement dit, Dieu sanctifie la terre. Pour nous, si on croit, bien sûr,
la réalité de l'alliance abrahamique, ça veut dire que la terre, alors qu'on appelle aujourd'hui l'Israël, ou qu'on appelle la Palestine, ou qu'on appelle Canaan pour rester dans les termes de l'époque, eh bien, est devenue terre sainte. C'est-à-dire que Dieu l'a clôturée pour être le support, eh bien, de sa révélation. Je rendrai ta postérité, donc ta semence, pour toujours. Je la rendrai comme la poussière de la terre. Quand on pourra compter les grains de poussière de la terre, alors on comptera tes descendants. Debout. Coup. C'est le texte qui le dit. Ith haler. Et marche. Be'eretz. Sur la terre. Be'arka. Dans sa longueur. Ole racheba. Dans sa largeur, qui lecha etnena, car c'est à toi que je la donne. Et que fait Abraham? Vaye ahol Avram, et il planta sa tente de nouveau. Oyavo vayishev be elonei mamre, asher be hevron, oyiven sham mispecha la Yehova. Autrement dit, Abraham alla s'établir au chêne de nouveau, cette fois-ci de Mamré, qui se trouve à Hébron. Et là, il érigea un autel à Yahvé. Donc, important, Sichem était au nord, Bethel était au centre, Hébron est relativement à eux au sud. À nouveau, Hébron n'est pas le nom de la localité à l'époque d'Abraham. Hébron, c'est le nom du fils de Caleb qui, lui, a pris possession de la région au moment de la conquête. D'après le texte de la conquête, le village s'appelait Kiriath Arba. Bien, donc autour de 1400, d'après la Bible, c'était le nom du village. Maintenant, en 1800, on ne sait pas comment il s'appelait. En tout cas, la Bible, elle, dit que donc, après l'explicitation que Yahweh fait à Abraham de la clause de l'alliance qu'il scelle avec lui, et qui est que désormais c'est toute la terre de Canaan qui va devenir le lieu de l'ensemencement de sa famille, pour en faire un lieu saint, il s'établit à Hébron, et à Hébron, il recommence. Il choisit un chêne, il lui met une clôture, parce que sinon ce n'est pas un lieu saint, il y bâtit un autel, et il invoque le nom de Yahweh. Et de nouveau, le nom du chêne, c'est quoi? Alors nous, en français, on dit membré, je ne sais pas pourquoi, ça doit être dû au grec. Mais le texte hébraïque dit « Mamré ». Et que veut dire « Mamré » ? Pour le coup, ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. C'est un pur mot araméen, et ça veut dire « la parole ». Le verbe. La parole. De nouveau, encore une fois, l'arbre représente la sagesse divine et la sagesse dans son verbe cette fois-ci. De même que les il amuru, le dieu de la parole, de même avant more, le dieu de l'instruction ou de l'instructeur, tout ça, c'est donc un dieu de la parole, un dieu. Alors le dieu de la parole, bien sûr, le dieu parole, c'est pas le dieu père, hein, c'est toujours le dieu fils. La parole surgit du Père. Et donc de ce point de vue-là, Yahou est bien le fils de El. C'est lui qui parle avec Abraham, mais dans il symbolise ici la filiation. Une fois que Abraham s'est établi à Hébron,
C'est là qu'a lieu le fameux épisode des quatre rois sumériens qui viennent de combattre les cinq rois de la vallée de la mer morte. Certaines des villes, semble-t-il, de la vallée de Chittim sont repérables d'un point de vue archéologique. Vous avez mis quelques images pour vous montrer l'existence de ces villes et puis aussi la taille des murs de l'époque qui effectivement démontrent qu'il y avait d'authentiques forteresses dans la région. Au retour de la bataille, il y a un épisode extrêmement important, c'est la bénédiction que Abraham reçoit de Melchisédek. Melchisédek est qualifié ici de roi de Salem, sans savoir d'ailleurs à quoi correspond Salem. Certains, bien sûr, se réfèrent à Jérusalem, d'autres à d'autres possibilités. Le plus important, c'est ce que Melchisédek dit à Abraham. Tout d'abord, il vient à sa rencontre pour offrir un sacrifice d'action de grâce pour la victoire remportée par Abraham. Et ce sacrifice d'action de grâce, quel est-il ? Eh bien, il est constitué de pain et de vin. La Bible ne présente aucun autre élément. Autrement dit, c'est un élément végétal et seulement végétal qui constitue ici l'offrande qui est faite à Dieu. Ce pain et ce vin est donc présenté et il est présenté par Melchisédek qui est roi de Salem mais en même temps prêtre du Dieu Elion, du Dieu très haut, El Elion. De ce point de vue-là, il s'agit du Dieu véritablement suprême, qui le bénit et qui dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui créa le ciel et la terre ». La formule « Kone ha-shamayim ve-ha-aretz », on l'a vu nous, elle était telle qu'elle présente dans les ouvrages ougarites. « Béni soit le Dieu très haut, toujours El-Elion, qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Or ici, il y a une particularité linguistique dans cette phrase qui est digne d'intérêt. C'est que ce que nous traduisons par « livrer », en fait, dans le texte, se trouve à cet endroit une drôle de formule. Melchisédek dit « Baruch Abraham le El Elion, Kone Shamayim ve Aretz. O Baruch El Elion, que béni soit le Très-Haut, Asher Migen. Tsarecha beyadecha. C'est-à-dire littéralement qui a enclos tes ennemis dans ta main. C'est encore et une fois toujours une bénédiction de clôture et c'est toujours la racine, la fameuse racine Gan. C'est-à-dire qui a fait de tes ennemis un jardin dans ta main. Voilà, littéralement. Autrement dit, toujours, la thématique fondamentale d'Abraham, c'est d'être le médiateur d'un nouveau jardin de Dieu, qui désormais va être la terre de Canaan, moyennant sa propre semence. Après quelque temps, on ne sait pas trop combien de temps, va avoir lieu, donc, proprement dit, l'explicitation et l'institution de l'alliance de Dieu avec Abraham, dans la fameuse théophanie. Cette théophanie est d'une très haute importance et définit vraiment le cœur du discours de Dieu à Abraham. Le texte dit donc, après ces événements-là,
Il y eut, l'expression est très importante, elle va avoir des conséquences extrêmes dans l'histoire de la religion judéo-chrétienne. Il y eut une parole de Yahvé à l'adresse d'Abraham en vision. Ah, bien sûr, on peut lire comme il est traduit là, de manière littéraire. Une parole de Yahvé fut adressée à Abraham dans une vision. Voilà. Sauf que, comme toujours, les textes sont surdéterminés dans la tradition religieuse. Il y eut pas une parole, il n'est pas dit une parole, il est dit parole de Yahowa à Abraham en vision. Autrement dit, Abraham voit quoi ? La parole de Dieu. Il voit le Verbe de Dieu. Et donc ça va être un point très important parce que ce sera repris dans toute la tradition elle-même juive, autant que chrétienne. En Saint Jean, Jésus dira clairement à ses contradicteurs, « Mais Abraham a vu mon jour. » Deva Yehovah El Havram Bamahazane. Bamahazé, pardon. En vision. Donc ici, cette ambivalence, aussi au Sinaï, le peuple de Dieu voit la parole de Dieu. À la fois, il ne voit pas d'image, donc il n'a pas le droit de représenter Dieu, mais néanmoins, la parole lui est donnée aussi comme quelque chose qu'il voit. Ici, c'est pareil, Abraham, donc, aurait vu le Verbe de Dieu. C'est très important parce que tout ce qui vient à la suite, on ne s'imagine pas qu'Abraham l'entend comme ça, comme Joseph en train de dormir dans son lit, mais qu'il y a une personne qui s'adresse à lui. On va voir que la personne va le prendre par la main, le faire sortir de sa tente et lui montrer les étoiles. Donc, il est en face de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est la parole de Dieu. Et que lui dit-il ? Al tira Abraham. Ne crains pas Abraham. Anochi, je suis Magen Lecha. Je vais tout de suite entendre. Alors, normalement, ça veut dire je suis un bouclier pour toi. Mais là encore, bouclier est construit sur la racine Gan. Parce qu'un bouclier, c'est une sorte de clôture qui permet de protéger le soldat. Littéralement, on pourrait dire « je suis ton enclosement », voilà, ou « je suis celui qui t'enclos », voilà, au sens de « celui qui te projette ». Donc, de nouveau, la thématique jardinière est au centre de la relation entre Dieu et Abraham. « Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit « Mon Seigneur Yahvé, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant. » Abraham dit « Voici. » Que tu ne m'as pas donné de descendance, et qu'un des gens de ma maison héritera de moi. Alors cette parole de Yahvé lui fut adressée. Celui-là ne sera pas ton héritier, mais bien quelqu'un issu de ton sang. Il le conduisit au dehors et dit, lève les yeux au ciel. Voyotse oso chutsan voyomer, habetna hashamayima, wasfera kochavim, et compte les étoiles. Si tu le peux, car telle sera ta postérité. Donc vous avez tout de suite noté que nous entrons dans des variations sur un même thème. La première fois, Dieu lui a dit, regarde la terre, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit ? Regarde le ciel. La première fois, il lui a dit, je ferai de ta postérité la poussière du sol, si tu pouvais compter. Et la deuxième fois, il lui dit, je ferai de ta postérité les étoiles du ciel, si tu pouvais les compter. Autrement dit,
Abraham passe subsistivement à travers les théophanies de l'en bas vers l'en haut. Autrement dit, la terre est bien le makom qui lui permet de réaliser une ascension. Ce ne sont plus les réalités du sol qui importent, elles sont posées, ça y est, c'est fait. Elles sont posées, elles sont pas niées, elles sont là, mais désormais, elles doivent tendre vers les réalités du ciel. Alors, les étoiles, évidemment, pour nous, ça ne nous dit pas grand-chose, sinon c'est joli, mais pour un homme de l'époque, c'est très parlant. Pour un homme de l'époque, les étoiles, ce sont des dieux ou des hommes divinisés, des hommes exaltés dans la gloire divine. Et de fait, plus tard, dans les autres théophanies, reviendra sans cesse dans le discours de Dieu, « De toi sortiront des rois ». Or, pour les anciens, ceux qui méritaient de rejoindre le ciel et d'être des étoiles dans le ciel, c'était les grands. Les grands. Alors les grands, c'est qui? C'est-à-dire les rois, les saints, les grands fondateurs, les dieux. La plupart des dieux, d'ailleurs, de l'Antiquité, sont des hommes divinisés parce qu'ils ont été des êtres charismatiques, exceptionnels. Et donc, si Dieu dit, regarde maintenant les étoiles, ça veut dire, voilà, tu vois, ta postérité, elle ne va pas rester sur la terre. Mais de toi sortiront de très grands hommes que je vais appeler aux cieux. Donc le principe de élever un humain au statut d'étoile du ciel, c'est ce qu'on appelle la catastarisation. Et donc c'est un phénomène qu'on retrouve dans toutes les religions de l'Antiquité. Donc c'est une très très grande promesse que Dieu fait à Abraham dans le langage de l'époque. Il ne lui promet pas seulement de la quantité, il lui promet de la qualité. Et la qualité de laquelle, c'est d'être divinisé et élevé à la gloire divine. Et Abraham crut en Yahvé, qui le lui compta comme justice. Il lui dit, je suis Yahvé qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens pour te donner ce pays en possession. Abraham dit, mon Seigneur Yahvé, à quoi saurais-je que je le posséderai? Alors, c'est très important. Abraham demande un signe qui accrédite la parole de Dieu. Dans une alliance, on l'a déjà vu, il y a toujours un double signe. Il y a un signe de celui qui promet et un signe de celui à qui c'est promis. Et l'alliance, c'est la conjonction de ces deux signes. C'est un symbolon. Donc Abraham demande à Dieu un signe qui accrédite sa promesse. Et quel va-t-il être ce signe? À vous d'être sage pour vraiment le comprendre. Il lui dit, « Va me chercher une génisse. » Alors, ici, la traduction de Jérusalem, c'est « Une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Sachez que dans le texte, il n'est pas dit ça. Et donc, je vais vous donner une autre version. « Va me chercher une triple génisse, un triple bélier, et une triple chèvre, et un tourtereau et un pigeonneau. Il lui amena tous ces animaux, les partagea par le milieu, et plaça chaque moitié vis-à-vis de l'autre. Le texte dit, vis-à-vis de l'autre, il lui dit, son homme et sa femme. Autrement dit, c'est des couples, ils forment des couples. L'animal est coupé en deux, et sa bilatéralisation est conservée en forme de couple. D'accord? Très important. Sauf que, il ne le fait pas avec les oiseaux. Ça vous donne combien d'animaux donc? Ça vous donne 9 animaux coupés en deux et 2 animaux non coupés en deux. Puisque les animaux sont tout, puisque tout est par couple, ça fait quoi? Ça fait 10 animaux. Ça fait 10 parts de couple.
vous avez les 9 qui ont été coupés en deux, et un couple constitué de ceux qui n'ont pas été coupés en deux. Ça fait 10. C'est très important. 10 étant le chiffre de Dieu. Les rapaces s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Ici aussi, la mention des rapaces dans le contexte antique est très importante. Le rapace, le faucon, l'aigle, le vautour sont des animaux qui signifient le ciel. Et dans l'Antiquité, on laissait autrefois les hommes être mangés par les rapaces. C'est ce qu'on appelle la décarnation. Et on considérait par là que les chairs étant mangées par les oiseaux, eh ben, remontaient vers le ciel. Donc ici, il est vrai qu'Abraham les chasse, parce qu'il veut que, pour l'instant, le sacrifice n'ayant pas encore été commencé, il est à peine initié, doit rester pur. Et donc il ne veut pas que des animaux viennent les souiller. Mais ce n'est pas n'importe quel animal, ce sont des rapaces. Et donc, symboliquement, ça renvoie au mystère de la divinisation, de la célestisation des morts, et plus précisément de la chair. Comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. Alors, là aussi, la référence au soleil est importante. On a vu que jusqu'ici, on était sur des thématiques lunaires, qui sont des thématiques relatives au mystère de la mort et de la résurrection. Dans la mesure où la lune est un astre changeant, un astre qui diminue et qui croît. Le soleil, à l'inverse, représente pas la passibilité de Dieu, pas le Dieu qui souffre, pas le Dieu du côté de la mort et de la ténèbre, mais l'inverse. Le Dieu qui est toujours égal à lui-même, qui est absolument triomphant. Le Dieu qui est au-delà de la mort, au-delà du cycle vie et dégénérescence et régénération. Le soleil ne change pas. Pourtant, le soleil lui aussi descend la ligne d'horizon et descend donc au pays des morts. Mais il en surgit toujours indemne. Il est absolument l'impassible et le transcendant. Donc au moment où précisément l'image de la transcendance totale descend, alors Abraham tombe en extase dans un effroi qui le saisit. Et alors, Yahvé dit à Abraham, « Sache bien que tes descendants seront des étrangers dans un pays qui ne sera pas le leur. Ils y seront esclaves, on les opprimera pendant 400 ans. » Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Au moment où Dieu, dans sa transcendance, disparaît de l'horizon, et donc le mystère de la mort vient ici être manifesté, Abraham lui-même tombe dans un sommeil de mort, et il lui est révélé sur sa descendance que sa descendance va vivre une épreuve de mort. L'épreuve de mort, ici, c'est 400 ans. 400 ans, ça correspond à nos 430 ans de séjour en état de errance et d'oppression. Mais je jugerai aussi le peuple auquel ils auront été asservis et ils sortiront ensuite avec de grands biens. Pour toi, tu t'en iras en paix auprès de tes pères. Tu seras enseveli dans une vieillesse heureuse. C'est à la quatrième génération qu'ils reviendront ici. Quatrième génération, ici, manifestement, on ne peut pas compter une génération réelle de 22 ans. On ne peut pas non plus compter une génération symbolique de 40 ans, mais on doit compter que c'est une génération de 100 ans, c'est-à-dire c'est le quatrième centenaire. C'est ça qu'il appellerait ici génération. Alors, au bout de 400 ans, eh ben, ils reviendront. Car, et pourquoi ils reviendront? Et pourquoi pourront-ils enfin prendre possession de la terre? Car l'iniquité des Amorites n'est pas encore parvenue à son comble. Alors ici, c'est bien sûr un principe théologique de l'histoire qui nous dépasse et qui est conforme aux mentalités d'alors.
À savoir que finalement, si les Amorites habitent la terre de Canaan, jusque-là, c'est parce qu'ils le méritaient. Et s'ils vont être dépossédés de la terre de Canaan, eh bien c'est parce qu'ils ont perdu leur mérite. Pourquoi ? Eh bien, dirais-je, de la même manière qu'on ne parle pas de l'Égypte. C'est-à-dire que les Amorites, qui adoraient le Dieu parole, eux aussi étaient des descendants lointains de la grande révélation adamique, mais eux aussi ont sombré dans l'idolâtrie. Donc, Dieu se permet de leur retirer la terre de Canaan, dans laquelle ils ont pourtant fleuri, ont constitué les grandes civilisations du bronze ancien, pour précisément eh bien, y placer un nouveau peuple, ou en tout cas un peuple renouvelé par une nouvelle révélation qui est ici liée à la personne d'Abraham. Et notez que Dieu dit, le fait en rapport aux Amorites, donc comme si précisément Abraham ici se rattache plutôt aux Amorites. Puisque les Amorites n'ont pas été au niveau, ben moi je te mets à leur place. Sous-entendu, toi tu es un bon Amorite et donc je te donne la terre en question. Et quand le soleil fut couché et que les ténèbres s'étendirent, voici qu'un four fumant et un brandon de feu passèrent entre les animaux partagés. Alors ici c'est donc très important. Le signe que Dieu donne, c'est un feu qui passe au travers des chairs. Le terme, le premier, c'est donc un four fumant, une fournaise fumant, et le deuxième, en français on dit brandon de feu, mais le mot araméen, c'est lapiz esh, et lapiz, c'est aussi un mot qui signifie la lampe, le luminaire. Autrement dit, le signe que Dieu donne à Abraham, c'est le fait que sa lumière, ou de la lumière, qui vient de lui, donc sa propre lumière, eh bien, passe à travers les chairs. Elle passe à travers les chairs. C'est-à-dire que la chair va être de nouveau visitée par la lumière de Dieu. Pour l'instant, il ne s'agit bien sûr que de chair animale, d'un sacrifice cultuel. Mais derrière la scène cultuelle, c'est un mystère que Dieu veut réaliser. À savoir, une visitation de la chair par le feu et la lumière de Dieu. Et il continue en disant, ce jour-là, il y avait conclu une alliance avec Abraham en ces termes. Donc, Dieu parle, bon, sous-entendu, paraît-il. Au moment où le feu passe dans les chairs, il dit, à ta postérité, je donne ce pays, du torrent d'Égypte au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, à savoir, la phrase est mal fichue. Le texte dit, je te donne ce pays, et il lui définit le territoire en question. Et il ajoute après, eh ben, la liste des peuples. Or, quels sont-ils ? Ce sont donc normalement les Kénites, les Kénizites, ça ne vous dit rien, mais tout ça c'est important, les Kadmonites, les Hittites, les Périsites, les Réphaïm, les Amorites, les Cananéens, les Girgashites et les Jébusiens. Certains sont très importants, d'autres le sont moins, ils sont connus que par la Bible. En tout cas, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de 10 peuples. Autrement dit, le signe que Dieu donne à Abraham, qu'il lui donne la terre, c'est que la lumière de Dieu va passer à travers les chairs, elle va circonscrire la terre, et ainsi eh bien, purifier eh bien, la terre des 10 peuples. À travers les 10 morceaux d'animaux qui ont été sacrifiés, ce sont les 10 peuples qui sont ici symboliques. Autrement dit, Dieu fait eh bien, une sorte de circumincession lumineuse à l'intérieur de la terre et des peuples qui habitent cette terre pour réaliser en sorte,
l'élévation sacrale de cette terre comme support de la station droite dans laquelle, eh bien, le peuple nouveau va être ensemencé. Il les met dedans. Alors, il les purifie, il les... Alors, soit il les élimine, on verra historiquement, évidemment, si c'est une élimination violente ou si c'est une assimilation, ça c'est l'histoire. En tout cas, ce qui ici signifie, c'est que tous ces peuples-là, eh bien, vont être traversés par la lumière de Dieu à travers, eh bien, l'implantation, l'ensemencement de la descendance abrahamique. Ah, bien sûr, il faut s'imaginer Abraham voyant ça de ses propres yeux, quoi. Comment saurais-je que ça va avoir lieu? Eh bien, il dit, voilà, regarde. Et, boum, vous avez le feu de Dieu qui passe dans les chairs en disant, ben, tu vois, la lumière passera à travers les 10 peuples qui te font peur. Donc ça, c'est le signe du côté de Dieu. Comme dans toute alliance, il y a un signe de Dieu. Mais après, Dieu va demander aussi un signe de l'homme, un signe de sa fidélité. Et c'est dans ce contexte-là qu'a donc lieu la grande théophanie et la grande institution du signe de la circoncision. Lorsque Abraham eut atteint 99 ans, Yahvé lui apparut Élie. Je suis El Shaddai. Donc, Yahou et El Shaddai, c'est la même chose. D'accord. C'est lui qui le dit. Je suis El Shaddai. Marche. Et alors, voilà. Ici commence encore un cran en plus. Jusqu'ici, qu'est-ce que disait Dieu? Il lui avait dit, marche sur la terre, dans la largeur, dans la longueur, prends possession. D'accord? C'est ce qu'il veut. Après, il lui avait dit, marche, je ne sais plus comment, mets-toi, il lui avait dit d'abord, mets-toi debout, comme. Et maintenant, il lui dit autre chose. Il ne lui dit pas, marche sur la terre, en regardant les cieux. Donc d'abord, tu regardais la terre, puis après, tu regardes les cieux, tu marches, tu déambules dans la clôture que je te crée. Mais maintenant, il lui dit, marche en ma présence. Ah, bien sûr, le texte hébreu, c'est Ithaler lefanai. Autrement dit, marche devant mes faces, devant mon visage. Et donc, ici, on voit que l'aboutissement de l'alliance, ça va être non pas seulement d'être debout devant Dieu, mais d'être debout avec Dieu. Être véritablement dans une relation de réciprocité interpersonnelle avec Dieu et de marcher dans la vie, dans cette relation interpersonnelle en Dieu. Il lui ajoute « Vayehi tamim ». Alors, on traduit « et sois parfait ». En français, quand on entend comme ça, « sois parfait », ça veut dire « sois moralement ». Parfait. Oui. Le problème du mot parfait en français, c'est que normalement, c'est un verbe dynamique, c'est-à-dire du verbe parfaire. C'est-à-dire c'est un accomplissement, normalement. C'est comme ça que ça devrait être, même si en langage courant, on s'y arrête plus. Mais en hébreu, c'est pas ça. En hébreu, c'est tham, la racine tham, qui n'est pas du tout une racine dynamique. C'est une racine statique. Et on devrait donc traduire non pas « soit parfait », mais « soit intègre ». C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'être parfait. Il y a être parfait parce qu'il ne me manque rien,
et il y a être parfait parce que je suis accompli. Or ici, il ne lui dit pas « sois accompli », il lui dit « sois intègre, qu'il ne te manque rien ». Ici, c'est très important parce que si on rentre dans une catégorie nouvelle qui est celle de l'intégrité. Donc l'alliance que Dieu va sceller avec Abraham est une alliance de relation réciproque avec lui dans la conduite de la vie, mais aussi d'intégrité, c'est-à-dire, si l'on veut, d'innocence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal absolu dans la personne, ou absolument. Et moi, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc ici, il insiste sur l'interpersonnalité. Et je t'accroirai extrêmement. Donc là, au contraire, il y a sur la dimension d'accomplissement. Très bien. Mais la condition de l'accomplissement, c'est l'intégrité. C'est qu'il n'y ait aucun élément négatif dans la personne. Alors Abraham tomba la face contre terre et Dieu lui parla ainsi. Moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de peuples. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je fais de toi le père d'une multitude de peuples. Je te rendrai extrêmement fécond. De toi, je ferai des peuples et des rois sortiront de toi. Et j'instituerai mon alliance entre moi et toi, et ta race après toi, de génération en génération, une alliance perpétuelle, pour être ton Dieu et celui de ta race après toi. Donc, il lui assure de réaliser avec lui une authentique relation d'amitié, d'interpersonnalité entre lui et sa... Alors, toutes les fois qu'on a lu descendance ou race ou postérité, en fait, le mot, c'est semence, entre sa semence et Dieu. À cette occasion, effectivement, il change son nom. Alors, je vous rappelle rapidement en quoi consiste ce changement de nom important. Abraham, ça se dit Abraham. Donc, Ab, c'est le père, et Ram, ça veut dire tout ce qui est élevé. Et il devient, évidemment, il devient Abraham. Il lui met un H en plein milieu. D'accord? C'est-à-dire, ici, le symbole de l'esprit. De même que avant, on a vu comment la lumière divine allait passer au travers des chairs. Et bien, de la même manière, Abraham lui-même est traversé par la lumière divine, c'est-à-dire l'Esprit Saint est fixé dans son intériorité. Et il en sera de même pour Sarah. Sarah, à l'origine, s'appelait Sarai. Et Sarai, ça veut dire quoi? Ça veut dire « ma princesse ». Le « i » grec ici, c'est « à moi ». Il est possible que ce soit « Saraya », mais plutôt c'est « Sarai », parce qu'il manque le « h ». Donc c'est plutôt « Sarai ». Ça veut dire « ma princesse, ma poupée, ma chérie ». C'est ce que ça veut dire. Et Dieu lui dit « c'est fini, tu ne l'appelles plus ma princesse, tu l'appelles Sarah », c'est-à-dire « la princesse ». Voilà, elle-même est dépossédée de la relation individuelle et particulière qu'elle a comme épouse d'Abraham pour être fondement d'une race sainte. Elle est désormais la princesse du peuple. D'accord? Alors, pour en parler un tout petit peu, il faut savoir que la Bible est l'objet de nombreux codages numériques. Et ici, il est quand même intéressant de s'y arrêter, mais il y en a plein d'autres. Hein. Je veux dire, ce n'est pas simplement ici. Il y en a plein. Ça ne fait pas l'objet
de nos recherches habituelles, mais c'est tellement intéressant qu'il faut quand même s'y arrêter. Normalement, Abraham, c'est donc Aleph, Beth, Resh, Mim, autrement dit 1, 2, le Resh c'est 20 et le Mim final c'est 24. Autrement dit, c'est un total de 47. Abraham donne donc 47 si on choisit la numérotation simple de l'alphabet. Et Sarai, c'est simple, le Shin c'est 21, le Resh c'est 20 et le Yod c'est 6. Autrement dit, on a un total aussi qui donne 51. 21, 20 et 10. Ça fait 51. Ok ? Ça fait, le yod c'est étant la dixième note, pardon. Et donc, on a ce genre de somme. Eh bien, sachez que si vous mettez, si vous considérez le H ici en plus et le H à la place de l'autre, eh bien, vous avez une numérotation différente, pour bien sûr, pour chacun, qui est 52 pour Abraham et 46 pour Sarai. Eh bien, donc, ce qui est amusant, c'est de constater que la somme, c'est 98 à l'un comme à l'autre. Voilà. Autrement dit, ici, l'introduction du divin dans la personne ne change pas l'identité de la personne. Rien n'est changé en eux. Et pourtant, tout est changé. Je me rappelle que Dieu n'agit pas de façon extérieure, il agit de façon intérieure. Et 98, c'est important parce que c'est justement l'âge auquel l'un comme l'autre vont enfanter le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'est Yitzhak. Yitzhak. D'accord. Alors ça c'est 10, ça c'est 18, ça c'est 8, parce que c'est un hé, et ça c'est pas, c'est 19. Ça donne une somme de 55. Et 55, c'est ça qui est amusant, c'est comme si c'était les deux H, parce que H c'est 5 et H c'est 5, ok? Les deux H qui ont été introduits dans l'identité d'Abraham et Isaac. Ce sont des jeux de mots, des jeux de calcul, mais il y en a plein. À d'autres occasions, je pourrais vous montrer comment le texte est charpenté par des calculs bien précis. En tout cas, ce changement de nom, donc, est important. Il signifie que Abraham et Sarah reçoivent de Dieu quelque chose qui va les augmenter, les sanctifier, les purifier, les renvoyer à une intégrité originelle qui vont leur permettre de pouvoir enfanter un fils selon la promesse. Abraham est donc ainsi constitué comme père dans l'esprit du fils de la de son fils qui est fils de la promesse. Et Dieu dit à Abraham, et toi, tu observeras mon alliance, toi et ta race, après toi, de génération en génération. Et voici mon alliance qui sera observée entre toi et vous, c'est-à-dire ta race. À chaque fois que vous entendez race, c'est semence. Hein? Ta semence, après toi. Que tous vos mâles soient circoncis. Vous ferez circoncire la chair de votre prépuce, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et vous. Donc ici, c'est le signe qui est demandé à l'humanité en réponse au signe donné par Dieu afin que l'un comme l'autre, ils se rencontrent dans le don de cette même alliance. Et ce signe, c'est la circoncision. La circoncision de quoi ? De la chair. La question de la circoncision est un vaste sujet. Dernièrement, j'ai lu une monographie complète sur la circoncision.
Et la conclusion, c'est qu'ils ne savent rien de la circoncision. Parce qu'elle est, c'est un phénomène tellement multiforme qu'ils sont incapables de tirer les moindres conclusions sur la circoncision. Donc, je vais vous proposer mes conclusions sans embâge et sans une vergogne. Qu'est-ce que la circoncision? Eh bien, la circoncision ici, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, c'est un acte, justement, de circumcision, de clôture. Et de clôture, à quel niveau? Eh bien, de là où se trouve la semence, c'est-à-dire du principe séminal de l'homme. Et pour faire quoi? Pour en dénuder le gland, qui est le symbole visible de la semence invisible. Donc, Dieu réalise un sacrement de dénuement du principe séminal et de l'organe dans lequel celui-ci se trouve caché, en retirant, quoi donc? La peau. Sachez, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est d'ailleurs le seul morceau de peau qu'on peut enlever du corps sans faire de mal. C'est le seul cas de non-mutilation. Tout le reste est mutilation. Même le bout de l'oreille, ça serait une mutilation. C'est le seul cas, justement. Autrement dit, cette peau, quelque part, est de l'ordre de l'inutile. C'est-à-dire que elle n'est pas d'une utilité telle que si on l'enlève, on produit une mutilation. Autrement dit, le fait d'enlever la peau, c'est d'enlever quelque chose qui recouvrait le principe séminal et qui, d'une certaine façon, n'était pas de l'ordre de la finalité proprement naturelle, même si on peut, bien sûr, lui attribuer une vertu globalement protectrice. Or, la peau elle-même, dans le cadre de la révélation biblique, a un symbolisme bien précis, à savoir qu'elle apparaît après la chute. L'homme se revêt de peau précisément parce qu'il est pécheur et qu'il a déchu de l'innocence primordiale. Et dans la tradition judaïque classique, qui doit sans doute remonter très loin dans le temps, même si on n'a que le Midrash tardif pour le documenter, il est bien entendu que l'homme, dans l'état d'innocence, n'était pas dans la peau, mais il était dans la lumière, avec un fameux jeu de mots biblique, qui est que lumière se dit « our » et que peau se dit « rour ». Autrement dit, la peau, d'une certaine façon, c'est de la lumière chosifiée, de la lumière chosifiée, opacifiée et matérialisée. Et donc, la circoncision signifie que l'opacité de la peau est retirée pour rétablir l'homme dans l'état de transparence et de dénuement qui lui permet d'être en véritable face à face avec Dieu. C'est une clôture, et une clôture circulaire, circoncision veut dire exactement cela. Dans la tradition biblique, il faut d'ailleurs circoncire en tournant, c'est-à-dire du haut vers le bas et du bas vers le haut. Je le dis parce que, paraît-il, en islam, c'est toujours du haut vers le bas, mais jamais du bas vers le haut. Autrement, dans la soi-disant symbolique, c'est qu'il n'y a pas de montée vers Dieu dans l'islam, alors que dans le judaïsme, même si ce n'est pas thématisé comme tel, il y a bien normalement une montée ascensionnelle vers Dieu. Et donc ici, c'est le cas. En tout cas, Abraham est posé définitivement debout devant son Dieu, parce que non seulement les symboles de l'ensemencement à la fois sur la terre
dans le sanctuaire ont été marqués par la présence de Dieu, mais c'est désormais lui-même qui est devenu un Gan Elohim, un jardin de Dieu. C'est sa semence qui est sanctifiée, c'est sa chair qui est clôturée, et c'est ainsi qu'il est debout comme une nouvelle plantation pour réaliser la véritable relation interpersonnelle avec Dieu, à travers lui-même bien sûr et sa descendance. Et cela veut signifier que la circoncision, alors d'après normalement aussi une tradition judaïque toujours tardive, mais c'est vrai qu'elle n'est pas, dite telle qu'elle dans la Bible, mais dans la tradition subséquente, elle est documentée, selon laquelle la circoncision, puisqu'elle établit l'amitié véritable avec Dieu, elle libère l'homme, eh bien, du mauvais, de l'empire du mal. Elle libère l'homme de l'emprise de Satan. Autrement dit, la circoncision est purificatrice et libératrice, non pas du péché originel, puisque ça c'est un concept chrétien, mais de la souillure originelle, qui elle est un concept universel. Vous avez dans les textes d'Ougarite, on a vu que elle était appelée Abi Adama, Adami, le père de Adam, mais il y a un texte d'Ougarite qui raconte très très bien comment Adam a dû boire un poison que lui a donné le gros serpent et qu'il en est tombé malade. Voilà. Donc il est vicié. Et ben, selon la doctrine juive, eh bien, la circoncision libère l'homme de ce vice fondamental qui l'asservit à l'erreur et lui rend la liberté d'être véritablement fils de Dieu le Père. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu, en langage chrétien, la grâce de Dieu, est entré dans la chair de Abraham pour la purifier. Alors si on compare évidemment par rapport à Noé, on voit qu'ici, donc Dieu a réalisé une nouvelle instance salvifique, un nouvel acte créationnel de salut, puisque avec Noé, il s'agissait de manger la chair de manière rituelle pour laisser à la chair eh bien, son statut de pureté et surtout de réaliser eh bien, une alliance interpersonnelle avec Dieu qui libère l'homme de la violence du monde. Et le signe de Dieu, c'était la lumière. La lumière qui, cette fois-ci, s'exprimait en arc-en-ciel. Eh bien, avec Abraham, on voit que l'acte de sanctification ne passe plus par l'alimentation, ça ne suffit plus. Il faut maintenant encore un principe plus profond que la constitution de la chair par l'aliment. Il faut aller jusqu'au principe séminal, constitutif proprement de l'être humain, pour que celui-ci soit illuminé et ainsi sanctifié. Et cela, normalement, le huitième jour, qui est bien sûr le jour d'après la semaine génésiaque, autrement dit, l'au-delà du cycle du temps, la participation à l'immortalité, et donc le gage d'une chair ressuscitée, d'une chair divine. Allez, dans la paix du Christ.